Oui? Allô, Madame Chamberlain. Oui, ça y est. Je suis désolé d'être obligé de vous annoncer ça, mais vos soupçons sur votre mari étaient parfaitement fondés. Ouais, il n'est pas resté travailler à son bureau ce soir. Il est avec elle en ce moment. Et on dirait qu'il va rester un bon bout de temps. Bon, j'arrive tout de suite. Je ne crois pas que... Enfin, faites ce que vous voulez, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée, ça, Madame Chamberlain. Je vous paye pour faire une enquête, pas pour me donner des conseils. Très bien. Si vous y tenez, allez-y. C'est vous qui voyez. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Mais il faut que je te parle, Jack. Je n'ai rien à faire avec des escrocs de ton espèce. Je resterai ici jusqu'à ce que tu m'ouvres. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce dont tu as besoin. Oh, je t'en prie, Jack. Tu sais parfaitement de quoi j'ai besoin. C'est pas la peine. Je ne t'aiderai plus. Cette fois, tu as été beaucoup trop loin. Mais en fait, qu'est-ce qui te prend? Lenz, attends, on va arranger ça. Je devais faire un transfert de fonds sur le compte demain à la première heure. Personne ne saura rien. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Oui. Ça m'étonnerait de ta part. Je te jure que je vais le faire. Oui, mais ce sera trop tard, Jack. Je sais pas combien de fois tu m'as répété que j'étais qu'un pauvre type. Lenz. Que j'étais idiot et prétentieux. Tu veux que je te dise, Jack? Tu me sous-estimes. Tu veux que je te le prouve? Ah!
sont encore là-haut. Je reviens tout de suite. Je vais faire demi-tour, madame. Il n'y a plus personne. Juan, ramenez la Rolls chez moi. Je prendrai la Porsche. Il devra attendre que je sois morte avant de remonter dans cette voiture. Messieurs, vous allez passer une semaine absolument infernale. Et je vais vous dire pourquoi. On est un peu comme les Marines. On ne veut que les meilleurs. Vous croyez peut-être que vous savez ce que c'est que la peur. Vous croyez que vous savez ce que c'est que d'être humilié, traîné dans la boue, traité comme un chien. Mais vous vous trompez. Vous n'avez encore rien vu. Non, je sais, vous pensez que nous avons l'air d'une bande de dingue et de sadique. Mais non, monsieur. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En fait, nous avons une philosophie à nous. Nous pensons que plus vous aurez de mal à vous intégrer, plus vous allez aimer et respecter Epsilon, Delta, Sigma. Et bon Dieu, je vous jure que vous n'oublierez jamais Epsilon, Delta, Sigma. Pas vrai, les gars ? Oui ! Epsilon, Delta, Sigma ! Epsilon, Delta, Sigma ! Epsilon, Delta, Sigma ! Ouais ! Ouais ! Salut ! Monsieur Davis. Oui, monsieur. Pouvez-vous me dire ce que c'est que ça, je vous prie ? C'est un marshmallow, monsieur. Vous êtes très observateur, Davis, merci. Mais vous n'avez qu'à moitié raison. Voyez-vous, ceci n'est pas un simple marshmallow. C'est aussi un symbole. Et je vous garantis que vous ne pourrez plus regarder un bout de guimauve sans vous rappeler cette nuit. Et vous n'oublierez jamais Epsilon, Delta, Sigma. Et maintenant, Tony Dracetti, l'actuel champion et le spécialiste de la guimauve, va vous expliquer ce que nous attendons de vous et de ces marshmallows. Merci. Ouais, vas-y. C'est simple. Vous allez mordre dans ce marshmallow avec votre postérieur et courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ensuite, après un examen approfondi pratiqué par nos juges ici présents, nous pourrons déterminer lequel aura franchi la ligne le premier avec son passager. Nous vous offrons ce soir la chance unique et passionnante d'être proclamé devant nous tous roi du marshmallow et champion de la guimauve. Oh, merci et bonne chance. Merci, Tony, merci. Il reste encore un point dans notre règlement que Tony a oublié de mentionner. En tant que club, nous cherchons à demeurer innovateurs ainsi que créatifs. Nous avons donc décidé d'ajouter un handicap à la course de cette année. Tous les perdants devront avaler leur marshmallow. Messieurs, laissez tomber vos pantalons sur vos chevilles. Johnson, distribuez la guimauve à ces jeunes gens. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'ait pas compris ce qu'il devait faire de son marshmallow? Parfait. Allons-y. À vos marques. Prêt? Partez. Yeah! Oh non. Travaille encore là-dessus? Ouais. Allô? Allô? Qui est à l'appareil?
vous allez jouer longtemps, ce petit jeu-là? Écoute, Miz, on ne sort pas une fille comme Robin en coccinelle. C'est pas son genre. Ouais, ouais, je comprends, Davis. Alors t'as qu'à l'échanger contre une Porsche et tous vos problèmes seront résolus. Il y a de ça, oui. Qu'est-ce qui te prouvera qu'elle vient pour toi et pas pour la voiture? Ne t'en fais pas. Ce qui m'importe, c'est qu'elle vienne, je me fiche du reste. Toi, t'es le genre de mec qui a de la suite dans les idées, mon vieux. Elle va participer avec les Lambda Delta Delta et notre équipe au match de football. Il faut que je mette quelque chose au point. Où est-ce que tu vas? Faut que je rentre chez moi. Je conduis ma famille à l'aéroport demain matin. Ils s'en vont pour 8 jours, je garde la maison. Tu viens avec moi? Merci, mais faut que je termine cet exposé. Et ta candidature au club, ça s'est bien passé? Ouais, super. Tu sais, Miss, tu devrais venir aussi. Ah, j'allais m'inscrire, jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'ils ont fait à ce gars qu'ils ont poursuivi l'année dernière. C'est rien, c'était pas vrai, Miss. Eh oui, c'est vrai. Mais je t'assure, ma cousine est la meilleure amie de la copine du garçon. Ces types sont complètement malades. Ils finiront par tuer quelqu'un. Ouais, peut-être. Bon, il faut que j'y aille. À bientôt, vieux. Passe me voir. Ouais. Jenny? Oui, mon chéri? Chérie, tu veux venir mettre la quatrième chaîne, s'il te plaît? Je voudrais regarder le programme météo et cette fichue commande à distance ne marche pas. Bonsoir, vous êtes encore debout? Bonsoir, chéri. Bonsoir. Tu passes la nuit ici? Oui. Alors, j'ai une grosse lessive à faire. Ah. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Alors, pas, ça va? Et la nouvelle télé? Ah, elle est super, mais j'arrive pas à faire marcher ce truc-là. La télécommande? Ah, bon, je tâcherai de la réparer pendant le week-end, si tu veux. Ah, c'est gentil. Oh, avant que j'oublie. Et tu peux l'accorder un piano demain? Ah oui, oui, bien sûr, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le neveu de Chuck va se marier, alors il faut qu'il aille à la réception. Ah oui, bon bah d'accord, pas de problème, pas. T'auras qu'à y aller après nous avoir déposé à l'aéroport. C'est à l'est de la ville, t'iras directement. Je te donnerai tous les renseignements demain. D'accord. Merci. De rien. Alors maman, comment tu vas? Regarde chérie, je t'ai rempli le réfrigérateur, tu n'as qu'à mettre ce que tu veux dans le micro-ondes si tu es une petite femme. Super, merci. Jenny? Oui, chérie? Je vais rater l'émission sportive. Sois gentille. Viens mettre la cinquième chaîne, s'il te plaît. J'arrive, chérie. Une seconde. T'as pas oublié le café, j'espère? Avec un morceau de ton gâteau? Non, chérie, je te l'apporte. Vraiment, maman, moi, j'y flanquerai des claques. C'est vrai. Bonsoir, maman. Je vais me coucher. Bonsoir, chérie. Barry? Ah oui, maman? Tu n'aurais pas mangé de marshmallow? On n'en parle pas. Le café. Merci, chérie. La voiture devrait être prête la semaine prochaine. J'irai la chercher. Jenny, tu veux prendre les bagages, chérie? J'ai un mot à dire à Barry pour cette histoire de piano. Et tiens, voilà un plan qui t'indique où est la maison. Fais-leur du très bon boulot, hein. On accorde leur piano depuis... Non, mais tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. On accorde leur piano depuis longtemps et je veux que ça continue. En plus, cette bonne femme est vraiment bourrée aux as. Ça se voit rien qu'à leur maison. Alors, si tu travailles bien, t'auras un bon pourboire. Ah, t'inquiète pas. Des choses, chérie. Maman? Tu connais le nom de l'hôtel? Oui. T'as assez d'argent? Oui. Oh, ton père a oublié de faire vider la poubelle. Sors là, sinon la maison sentira mauvais. Promis, maman. Prends service à ta mère et essaie de réparer cette... On va rater l'avion, chérie, dépêche-toi. Bon, je vais vous aider à porter mon valise. Non, c'est pas la peine. Non, ça va. Au revoir. Amusez-vous bien. C'est ça, à très bientôt. Au revoir, papa. Au revoir. Maman. Au revoir, Marie. Bon voyage. Oui. Au revoir, on t'appellera. Oui, je vous appellerai aussi.
Je vais accorder le piano. Vous pouvez entrer. Merci. Où je suis arrivée, ils étaient déjà partis. Ton père n'est pas rentré à la maison hier soir. Tu avais un rendez-vous ce matin? J'avais complètement oublié. C'est l'accordeur de piano. Bonjour, je viens accorder votre piano. Ah oui, Paris Séjour, oui. Merci. J'aurais cru qu'après 32 ans de mariage, on était à l'abri de ce genre de drame. Jamais je n'ai eu l'idée de te tromper. Je sais bien. Ça me donne des envies de meurtre. Ce qui est sûr, c'est que je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Tout ce que nous possédons, tout ce qui est ici jusqu'au tuyau d'arrosage, tout est à mon nom. Et il n'est pas prêt d'en revoir la couleur. Plus jamais. T'es pas malin malin, toi, hein? Tu es gentille de m'avoir écoutée. C'est normal. Si jamais j'ai des nouvelles de papa, je t'appelle immédiatement. Si tu veux. Embrasse ta petite famille. Ouais. Au revoir. C'est fini? Oui, madame. Magnifique. Ah, merci. Et voilà votre chèque. C'est gentil, merci. Oh, madame, madame Chamberlain, non, c'est beaucoup trop. Alors, donc, vous avez fait du très beau travail. Merci. Ah, voilà, je... J'avais pas l'intention d'écouter, mais j'ai entendu ce que vous racontiez. Alors, je tenais à vous dire, je trouve que votre mari fait une grosse bêtise. Vous trouvez? C'est très gentil à vous. Merci. J'ai peut-être des câbles de démarrage là-dedans. Ah, merci. Oui. C'est exactement ça. Oh, excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est parfait. Elle est fantastique. Oui. C'est une belle voiture, c'est vrai. Refroidissement à air. Et un moteur 6 cylindres, je sais, je connais ça par cœur. Et ce petit bolide arrive à monter à 120 en moins de 10 secondes.
Vous avez l'air de vous y connaître en Porsche. C'est la voiture de mes rêves. Elle a été spécialement conçue pour mon mari. Je l'ai offerte pour son anniversaire il y a 8 jours. Il en est fier comme un paon. Vous aimeriez avoir une voiture comme celle-là? Ah oui, bien sûr, j'en serais fou. C'est parfait, je vous la donne. Excusez-moi? Je viens de vous le dire, je vous la donne. Vous pouvez pas faire ça? Comment ça, je ne peux pas? Je l'ai payé 100 000 $ cash et je vous jure bien que ce salopard ne remettra pas les pieds dedans. Alors, vous la voulez, oui ou non? Je ne peux pas... Tant pis. Je n'aurai qu'à l'offrir à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Attendez, madame. C'est vraiment sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Bon. C'est d'accord, j'accepte votre offre. Bien. Oh... Je vais chercher les papiers. Attendez-moi ici. Attendez une minute. Je vais vous dire... Je vous propose un marché. On échange l'accord de votre piano contre la Porsche, vous voulez bien? Je vous l'offrais de bon cœur. Oh, j'y tiens, moi, ça me fait plaisir. C'est le moindre des choses. Tenez, prenez-le. C'est très élégant. Merci. Non, il n'y a pas de quoi. Bon, attendez-moi. Je reviens tout de suite. D'accord. Non, il n'y a pas de quoi. J'ai une Porsche. Riding down the highway in my dream machine. Earth is moving faster than I've ever seen. Passing everybody like they're standing still. I could go for hours just to get my fill. Every ride's a thrill in my dream machine. I've got me a fast. Shiny dream machine. I'm doing 100 and I'm only up to number 3. Power shooting through me like I can't believe. I can feel the rhythm taking hold. It's more than just a dream in my dream machine. Oh, oh. I'm sailing to me. Better keep your eyes on me. One less step away from where I wanna be. Yeah, from the poor man to king. Used to be a fantasy. Dreams come true for me in my dream machine. Oh, vous fâchez pas, monsieur l'agent. C'est vrai, je me rendais pas compte que j'allais aussi vite. Et puis, vous faites un travail qui est plutôt ingrat. Et c'est bête parce que j'ai envie de vous embrasser. Eh oui, c'est ma première contravention. Alors ça se fête? 180 km/h en troisième! Roulez plus lentement. Ah oh, ok, c'est promis, je vais la freiner. Je vais rouler qu'en seconde. Pushing the pedal to the metal in my dream machine. Things are looking better than they've ever been. Remember how it used to be. Women only love me as a baby. But now it's the real thing. Thanks to my dream machine. Oh, Miss, c'est Barry. Jette un œil sur mon automobile, vieux. Où est-ce que t'es? Ah oui, tu crois que je suis? En bas? Où est-ce que t'as trouvé ça? J'ai eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment. Arrête ta frime! À qui elle est? Mais t'es sourd ou quoi? Je te dis qu'elle est à moi. J'ai même les papiers. Tu parles. Tu te fous de moi?
Bon, mon vieux, j'ai deux ou trois petites choses à faire maintenant. Alors écoute, je repasse tout à l'heure récupérer ma coccinelle et je te mets au parfum. Oh, Barry! Barry! Tu sais quoi? Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ton club de crétins m'a confondu avec toi! Je vais les faire virer du campus, moi, ils sont dingues! Quand ils ont pigé que c'était moi et pas toi, c'était déjà trop tard, regarde ça, on dirait le cul d'un singe! Oh! Ils t'ont laissé un message. Ils disent qu'ils te préparent un traitement spécial. Tu leur as pas dit où j'habitais, j'espère? Non, mais... ils trouveront bien tout seul. Oh, c'est pas si mal. Moi, ça me plaît. T'as l'air d'un moine. Hein? Ouais, je ressemble à frère Tuck. Allô? Ah, bonjour. Est-ce que Robin est là? Non, elle est partie jouer au tennis. Bon, merci. Attention, mesdemoiselles, je vous rappelle qu'il s'agit d'un match. Le score est actuellement de 5 jeux à 4 et avantage Hinckley. Marchbanks au service. Salut, Robin. Out. Bravo, super revers, Robin. Match Hinckley. Merci. Merci, mesdemoiselles. Bien joué, Robin. Toi aussi. Tu réalises que ta petite plaisanterie vient de me coûter un voyage à Hawaï avec l'équipe le week-end prochain? Tu as dit que tu aimais mon revers. Attends un peu que je te l'envoie dans la figure. Ah, tu vois, tu t'es gouré. La voiture a pas arrangé les choses. T'es trop pressé. Attends un peu. Une fille du genre de Robin, ça demande du doigté. Faut pas. Hé, hey, toi, t'as pas un tic dans ton moteur, hein? Pauvre con. Tu m'attends? Je reviens tout de suite. Tiens, prends ça.
Jacques Chamberlain. Laissez-moi votre message et votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Jack, c'est Lance. Pourquoi tu me rappelles jamais? Écoute-moi bien, j'ai besoin que tu m'aides une dernière fois. Je te rembourserai tout en même temps. Ne me laisse pas tomber, Jack, sinon je parle à ta femme. Tu vois ce que je veux dire? J'attends ton appel. Jack, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu as des ennuis? Je t'aime. Appelle-moi. Voyons pour ouvrir le capot. Allô? Ah oui, papa, c'est toi. Bon, écoute, j'ai voulu t'appeler toute la journée. Oui, c'est très bien, Barry, mais j'ai pas le temps de te parler maintenant. Je suis en retard. Tu veux me rendre un petit service? Ta mère a oublié une lettre sur le réfrigérateur. Il faut qu'elle soit postée ce soir et je voudrais que tu l'envoies à l'express. T'as encore 20 minutes avant que ça ferme. Mais tu mets 30. J'aimerais que tu saches faire tes nœuds de cravate. Si seulement ta mère vous avait pas gâté comme ça. Oui, je suis là, je t'écoute, Barry. Oui. Non, c'est encore trop serré, Jenny. Oui. Oui. Oh, pardon. Je vais le faire moi-même. Laisse-la, tu n'y connais vraiment rien. Allô, Barry? Oui, c'est maman. Tu as bien pensé à sortir la poubelle? Très bien, je te repasse, papa. Attends, fais vite, Barry, il te reste que 18 minutes. Bon, j'y vais, je vous rappelle ce soir, au revoir. Qu'est-ce qu'il dit? Tout va bien? Oui, oui. Oh, il dit que Madame Chamberlain lui a offert une Porsche pour le remercier d'avoir accordé le piano. Une quoi? Une Porsche. Non, bon, j'ai du mal à comprendre. Je cherche Barry, l'accordeur de piano. Est-ce qu'il est là? Non, vous avez dû faire un faux numéro. Allô? Je cherche Barry, l'accordeur de piano. Est-ce qu'il est là? Quoi? Qui est à l'appareil? Lance? Pourquoi tu ne viens pas te coucher? J'en ai plus pour longtemps. Tu as l'air épuisé, mon chéri. Je crois que tu devrais venir dormir. Ça peut sûrement attendre demain. Je te dis que j'arrive. Ne m'attends pas. Lance, je me fais beaucoup de soucis pour maman. J'ai essayé de la joindre pendant des heures et ça sonne toujours occupé. Tu connais ta mère, chérie. Je suis sûr qu'elle a encore oublié de raccrocher. Va te coucher, te fais pas de soucis. Tu as probablement raison. J'y vais. Ne sois pas trop long, quand même. J'arrive.
Allô? Je cherche Barry, l'accordeur de piano. Est-ce qu'il est là? Oui, dites, vous avez vu l'heure qu'il est? Encore un fou. J'adore le lit de mes parents. Il est trop confortable. Salut mec. Oh, elle crache ta bagnole. T'en as jamais vu une comme ça, hein? Non. Bravo. Jamais on a vu dans toute l'histoire de notre football et on n'a jamais entendu parler d'une seule défaite subie par les équipes Epsilon Delta Sigma et Lambda Delta Delta. Oui, monsieur Davis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe si l'un de nous recule devant la mêlée et veut se tirer? Bonne question. Si jamais vous avez ce genre de problème, vous êtes prié d'aller vous adresser à la fin du match à monsieur Thurman Williams. Thurman, tu veux venir, s'il te plaît, que tout le monde voit bien qui tu es? Ah, c'est très clair. Alors, on fonce dans le tas, on avance et surtout, on recule pas. C'est à peu près ça. Bon, si vous tenez à rester vivant, c'est simple. Formez vos équipes et dirigez-vous vers le milieu du terrain. On va commencer. Des questions? Non, on est prêts. Allons-y. Ça va, Robin? Dépêche-toi. Alors les gars, vous l'avez apporté? Garde-moi ça si c'est pas beau. Tiens, voilà. Ah. Il lui ressemble. Je vois d'ici la tête qu'il fera. Alors, on y va? On y va. Tiens-moi ça, toi. Bon. Passez-moi le cochon. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Pour qui il se prend, celui-là? Donne-moi les clés. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Je suis un ami de Barry Davis. Donne-moi les clés. Ah, un ami de Barry. Mais t'as bien fait de nous le dire, mon vieux. Tiens. Oups. Bon, ça va, espèce de petit crétin. Vous avez bien rigolé?
Alors maintenant, donne-moi les clés. T'as du calme. Relax, si t'y tiens tellement, t'as qu'à les prendre. Quatre minutes de jeu, plus que 4 minutes. Attention les gars, faut se concentrer. Passe et me tirer à gauche. Pigé, j'ai besoin que vous fassiez un bloc à droite. On y va. À 3, 1, 2, on y va. Couchez-vous. Allez. Si on ne gagne pas maintenant, il remporte le match. Les gars, je compte sur vous. Ouais, pas de problème. Robin, tu vas te placer en tête de ligne. J'y vais. Barry, je vais feinter une passe, me retourner et te lancer le ballon. Toi, tu l'envoies dans les bras de Robin. Pigé ? Pigé. Ouais, et bah si on veut gagner la partie, il vaut mieux en choisir un autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne lanceras jamais assez loin. Ah, qu'est-ce qu'on parie ? Oh, n'importe quoi. On passe la journée ensemble. Oh, tu rêves ou quoi ? Si t'as peur, ça veut dire que je risque de gagner. Allez, Robin, décide-toi. Tu dis oui ou tu la fermes. D'accord. Vous y êtes ? À 3. Prêt ? Prêt ! On y va ! Ouais ! Allez ! Ça passe ! Allez, 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 de bruit qui court, Barry. On dit que tu sors une fille aujourd'hui. Tu connais la règle ? Pas de nana pendant une semaine. Enfin, Royal, est-ce que j'ai l'air d'un type qui désobéit aux règles ? Mais t'en as tout l'air, Barry, alors te fais pas piquer. Ah, à propos, ouais. C'était pas idiot d'avoir demandé à papa de surveiller ta voiture ce matin ? Ah, ouais, ouais, bien sûr. Et un de ces jours. Salut. Et il s'appelle comment ? Barry Davis. Il habite la maison au coin. Voilà l'argent. Je regrette de m'être laissé embarquer là-dedans. Non, tout va bien. Je vous paierai après.
Salut. J'ai vu ta bagnole garée. Mise, je suis content de te voir. Eh viens, reste pas là, c'est le grand jour aujourd'hui. Ça pue, y a quelque chose de crevé là-dedans. Non, c'est la poubelle, faut que je la sorte. Ouais. Fais vite avant que ce soit moi qui sorte. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de réparer ce truc. Ah, t'as vu, j'ai changé mon style de coiffure, c'est bien. T'as changé de style, ça oui, on peut le dire. Ouais. Ah, j'avais remarqué. Tiens, regarde ça. Ah non, j'ai tripoté ce truc toute la journée. Et ça marche toujours pas. Laisse-moi essayer. Voici pour les principaux titres de l'actualité. Ah bah voilà, ça marche. Tout à l'heure, super, mec. Local. Les prévisions météorologiques de la journée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Barry Davis? Oui, monsieur, c'est moi. Je suis Jack Chamberlain. Ah, bonjour. Je peux bonjour. Vous parler? Ah oui, monsieur, entrez. Barry, j'aimerais vous parler, c'est la seule. Bien sûr, oui. Venez. Merci. Je vais aller droit au but. Je veux récupérer ma Porsche. Ma femme et moi sommes allés chez notre avocat ce matin pour voir comment résoudre ce dilemme. Il nous a assuré que, légalement, la voiture est toujours à nous et que le tribunal trancherait en notre faveur. Mais franchement, nous n'avons aucune envie de mêler la justice à tout ça. Et nous sommes des personnes qui savent que les erreurs se réparent. Dernière heure. Madame Margot Chamberlain a été trouvée morte dans sa propriété hier dans la soirée. Les causes du décès semblent accidentelles, mais la police est encore... Il y a 15 000 dollars. Rien ne vous oblige à faire ça, vous savez. Non, ça me semble normal. Mon principal souci, c'est que cette histoire ne vous laisse pas de mauvais souvenirs. Je crois plutôt qu'elle va m'en laisser un bon. Madame Chamberlain était l'unique héritière de la colossale fortune Westerman, la célèbre chaîne hôtelière internationale. Elle laisse derrière elle son mari Jacques Chamberlain ainsi qu'une fille, Madame Lance Harper. Mais Monsieur Chamberlain, actuellement à l'étranger, n'a pas pu encore être prévenu. Ça vous aidera sûrement à poursuivre vos études. Oui, monsieur. Bon, je vais vous rendre vos clés. Barry? Oui? Mise, voici Monsieur Chamberlain. Monsieur Chamberlain, Mise. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment triste pour votre femme. Je viens de l'apprendre il y a une seconde à la télé. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mise? Elle est morte. Ils ont retrouvé son corps chez elle ce matin. Barry, il faut que je parte. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. Vous venez de me dire que vous étiez avec elle ce matin. Comment ça, elle est morte? Ben, la télé disait aussi que ce monsieur était à l'étranger. Ça sent mauvais ici, Barry. Et cette fois, c'est pas la poubelle. Barry, vous me donnez ces clés? Ou faut-il que j'appelle la police? Les clés, pas question. Je sais que vous n'êtes pas Jacques Chamberlain. Je viens de voir sa photo aux nouvelles. Ce n'est pas Jacques Chamberlain. Ce type est bien plus les clés. Vite, appelle la police. Hé, hey, dans quel guépier vous m'avez fourré? De quoi vous parlez? Donnez-moi les clés. Vous voulez les clés? Alors allez les chercher. Vous m'aviez pas dit que vous étiez mêlé à une affaire de meurtre. Moi, je me tire. Mon argent? Mais il a mon pognon. Hé hey, où est l'argent? Oui, tu as fait ce qu'il fallait faire, Barry. Oui, tu devrais laisser la voiture au garage. Ne la sors pas tout de suite, tu attends un peu, ça va se passer. D'ici quelques jours, tu verras plus clair. Chérie, tu veux m'apporter de la glace? Tu seras gentille. L'avion se pose à 10 heures pile. On t'attendra. Pense à mettre ton réveil. C'est ça. Et surtout, sois pas en retard. Allô, chérie, c'est maman. Non, très bien, oui. Oh, rien, papa voulait un peu de glace. On sera à la maison ce soir. Très bien, je t'embrasse. Oui, moi aussi. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, mon père croit que c'est le conseiller juridique des Chamberlain qui est venu. J'en étais sûr. Ouais. Donne-moi ça. Merci, ah, Mise. J'ai pas encore fini de les compter. Tu sais où tu m'emmènes? Oui, on va faire un petit tour avec la voiture. Ah, pourquoi pas? C'est original comme idée. L'idée peut-être pas, mais la voiture, oui. Monte. Il y a l'entrée. J'aime la vitesse. Moi aussi. Alors tu vas être servi. Oui, moi je suis resté là avec les 15 000 dollars dans la main. T'imagines? Tu me jures que c'est vrai? Oui, je te jure, je t'assure. Alors qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Ah, j'en sais rien. T'as une idée, toi? Oui, tu peux m'offrir un billet aller-retour pour Hawaï. Je peux même en acheter deux.
Écoute, Robin, je sais que si tu es là, c'est parce que j'ai gagné ce pari au football ce matin. Mais je crois vraiment que ça va être l'après-midi le plus merveilleux qu'on ait jamais vécu, tous les deux. Ça reste à prouver. Tu verras bien. Something strange is going on here. Something I can't explain. Something's really turned me outside in. Whoa. Now my friends are all asking questions, like where my mind is at. They're talking about love. Yes, it could be something like that. Yeah, it could be something like that. It could be something along that line. Could this be love? Could she be mine? It could be something like that. It's possibly something. J'ai passé une excellente journée, c'est vrai. Attends, c'est pas encore fini. Ça t'embêterait de t'accrocher parce qu'il va y avoir du sport. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout, c'est juste mes petits copains. T'affole pas, surtout. Ça va aller. Pourquoi est-ce qu'ils nous coursent? Pour s'amuser. Ça serait passionnant, je t'avais prévenu, non? Je suis un garçon passionnant. Oui, nous prendrons 4 cheeseburgers, 4 frites et 4 grands milkshakes, merci. T'as un petit drôle, toi. Fais voir ton permis de conduire. C'était pour rire, monsieur l'agent. Oui, c'est vrai, j'ai eu peur. J'ai encore peur. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est encore? Tout le monde t'en veut ou quoi? Qui c'est cela? Rien, c'est rien, c'est un vieux copain. T'as de ses relations? Accroche-toi, c'est tout. On a une Porsche et je sais conduire. Thank you.
Bam, bam. Waouh. Il y a longtemps que je m'étais pas autant amusée. J'aurai ta peau. Et mec, t'es malade ou quoi? Toi, la ferme! La ferme! T'es complètement dingue! Je dois reconnaître qu'on s'est pas ennuyé. Je te l'avais dit. T'es d'accord pour qu'on recommence alors? Je suis pas contre. Bien. Hey, où est Royal? Dans sa chambre. J'irais pas le déranger si j'étais toi. Pourquoi ça? Eh oh! Hey! Tu vas où là? Où est-ce que tu vas? T'as rien à faire ici. Raconter. Eh, arrête, ce dude, d'arrêter! Et où il va? Il est devenu fou! Barry, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est interdit de venir. C'est un lieu sacré. Les candidats au club n'ont pas le droit d'entrer. Oui, mais ton lieu sacré, ton fichu club, t'as qu'à te les garder. Je veux plus rien avoir à faire avec vous. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Comment qu'est-ce qui me prend? Non mais c'est pas vrai, Royal. Je sors une fille qui me plaît, on se fait à moitié tuer et ma Porsche a failli se faire démolir. C'est moi qui ai eu la contredanse, alors je vois vraiment pas pourquoi tu râles. Tu veux que je te dise, Royal? Je croyais que cette histoire de type que vous avez failli tuer était bidon. Mais c'est vous qui êtes bidon, vous êtes des nuls. Et moi, je marche plus, un de ces jours. Margot Chamberlain trouvée morte. Mise, Barry, ça va? Tu veux te faire une toile avec moi? Oui, écoute, je viens de la déposer chez elle il y a 5 minutes. Je te raconterai plus tard. Et voici vos clés, monsieur. La voiture est garée sur la place numéro 27. Vous voyez, c'est juste là, en droite. Monsieur, oui, d'accord, bonjour. Monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais un gros moteur dans une voiture. Surveille mes affaires 2 secondes. Il faut que j'aille aux toilettes. Excusez-moi. Eh, il y avait un drôle de type dans les toilettes. Il avait pas l'air très net. C'est ça, ta faute pas, je vais te semer. Sûrement ça. Mise, je te dis qu'on va le semer. On va y rester. Mise, du calme, mise. J'en ai marre, marre.
conducteur que j'ai jamais eu. Non, mais c'est pas vrai, c'est un cercueil, cette bagnole. Il est juste derrière nous. T'arriveras pas à lui échapper. T'es pas fini de conduire. Alors on va trouver tous les deux dans cette calme. Plus vite, mon Dieu, accélère! Ne me parle pas quand je conduis! Je te parle pas, fous-moi la paix! M'énerve pas! C'est à moi que je parle! Et toi, je te dis, lâche-moi la paix! Qu'est-ce que tu fous, Paris? Tu conduis comme un manche, t'avances! On va crever! Ils arrêtent! Il y a des gens qui dorment, hein! J'ai mouillé mon pantalon. Non, Miss! Si! Non! Pas sur les sièges! On va le semer, Miss! Attends, non. Tu vas voir! Dès que je peux, j'accélère! Toi, et ensuite, je passe en troisième! Quoi? Je crois qu'on les a semés! On les a semés? On les a semés! On les a semés! On les a semés! Ouais! Qu'est-ce qui pue comme ça? Mais j'en sais rien, comment il est arrivé là? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est dégueulasse. J'ai cru que j'allais gerber. Ouais, ben moi, j'aurais gerbé à ta place. Ah là 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 là, mec. Ils ont réussi à te mettre sur les nerfs. Non, Miss, je crois pas que ce soit le club. Cette fois, c'est trop fort, même pour eux. D'accord. Alors, c'est qui? Je sais pas, c'est tellement bizarre tout ça. Madame Chamberlain qui me donne une voiture pour me remercier d'avoir accordé son piano. C'est pas normal. Et je crois que j'ai compris. Elle a fait assassiner son mari, cacher le mort dans le coffre de la voiture et elle t'a offert la Porsche pour se débarrasser du cadavre. Peut-être, oui, c'est possible. Hein? Mais alors qu'il a tué, elle? À savoir, peut-être qu'elle est vraiment morte à la suite d'un accident. Ouais. Peut-être que Chamberlain a tué quelqu'un et qu'il l'a planqué dans le coffre de sa voiture. Non, j'ai déjà pensé à ça. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu lui-même réclamer sa voiture? C'est ça qui m'étonne aussi. Mais j'en sais rien. Tu veux que je te dise ce que je crois? Vas-y, je t'écoute. C'est l'équipe de Delta. Je t'assure. Non, ils n'ont rien à voir là-dedans, je le sais. Barry. Barry, regarde-moi. Je suis sûr que c'est eux. Qu'est-ce qui pue comme ça? Devine, vieux, c'est pas sorcier. T'as qu'à ouvrir le coffre. Oh. Regarde dans le coffre, je te dis. Et arrête de te marrer. Je me marre pas, pas du tout. Et évite de gerber. Alors? Alors? Bah, y a rien du tout là-dedans. Rien du tout? Mais comment ça, y a rien du tout? Je te jure, regarde. Où est-ce qu'il est passé? Écoute, il y avait un mort couché là-dedans, je te le jure. Dès que t'es sorti, ils sont passés le reprendre. Miss, qui est passé le reprendre? Delta. Delta est passé reprendre le corps. Fais pas l'imbécile, ils veulent ta peau. Tu te rends compte de ce que t'as merde. Fait? T'es rentré chez eux de force, t'as dit au président qu'il était bidon, et tu t'imagines qu'ils vont pas réagir? Et c'est encore que le début, ça, mec. Oh, c'est rien du tout comparé à ce qu'ils ont fait à ceux...
pauvre petit qu'ils ont coursé là. Ils l'ont traumatisé, ce gosse. C'est vrai, on dit qu'il a été marqué à vie. Je préfère partir. Ouh. J'ai eu ma dose pour au moins 8 jours. Dis donc, tu peux me passer la coccinelle, je te la rapporterai demain matin. T'as l'intention de me laisser tout seul comme ça? Bah ouais. Sympa, merci. Jack, c'est Lance. Pourquoi tu me rappelles jamais? Mise? Ouais. Tu l'as sur toi, ton 357 McDonald? Ouais, bien sûr, Barry, il est là. Est-ce qu'il est... Il est chargé? Tu parles? Bien sûr, il est toujours chargé. Prêt à l'action. Passe-le-moi. Je prends la Winchester et le 9 mm. Margot Chamberlain a été trouvée morte. Sa fille, Madame Lance Harper, c'est ça, Lance Harper. Allô? Barry? Mise. Ça y est, j'ai pigé, je sais ce qui s'est passé. Moi aussi. Laisse-moi finir. Voilà, toi et moi, on connaît Royal. Il fait sa prépa de médecine. Je te dis que le club n'a rien à voir. Tu vas la fermer et me laisser finir. Écoute, il emprunte un cadavre au laboratoire et il le dépose chez toi pour te ficher la trouille. Et une fois que c'est fait, il l'enlève et il le rend. Lance Harper a tué Jack Chamberlain. Chamberlain était son beau-père. Oui, et je crois que Madame Chamberlain l'a soupçonné et qu'il l'a tué, elle aussi. Je te rappelle tout à l'heure. Il faut que je prévienne la police. Il est ici, chez moi. Préviens les flics, vite. Arrête, Barry. Je te dis que c'est Delta. Thank you.
C'est pas si simple que ça. Non, je dirai rien à la personne. Non. Faites pas un pas de plus ou je vous tire dessus. Donne-moi cette arme. Je vais tirer. Faudra d'abord que tu me tues, Barry, parce que moi j'ai plus le choix. Allez, viens, donne-moi cette arme. Putain de merde. C'est le gamin. Il est à l'intérieur et il a essayé de me tuer. Barry, Miz, ça va, tu n'as rien? C'est toi qui as appelé les flics? Bien sûr. Barry, j'ai tout de suite compris que c'était sérieux. Restez là, laissez le passage. Rick, toi, John et Kelly, venez par ici et suivez-moi. 6-6. J'en sais rien. Il y a la police autour du chalet. Claude, regarde, il y a une ambulance. Ils font sortir quelqu'un, tiens. Oh mon Dieu, mais ne t'inquiète pas, ça. Où est-ce qu'il est? Non, mais c'est... Il y a une ambulance, non, Claude. Non, calme-toi, mais tout va bien, chérie. Mais où est Barry? Je ne sais pas, il est sûrement par là, avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je veux sortir de ce taxi, monsieur. Arrêtez-moi là, merci. Oui, voilà, stop. Oui, laissez-nous. Mon fils. Quel est son nom, s'il vous plaît? Vous pouvez nous dire son nom, s'il vous plaît? Il y a déjà assez de monde comme ça. Allez, restez tranquille. Je cherche mon fils. Mais où est-ce qu'il se passe ici? Oh, il va bien, demandez à l'inspecteur là-bas. C'est mon fils, pardon, là. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Est-ce que c'est mon fils? Non, non, vous êtes Madame Davis. Non, mais oui, c'est Madame, moi, votre c'est fils est là-bas. Madame Davis. Ah, Paris, qu'est-ce qui se passe? Ah, maman, mon Dieu. Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est une longue histoire. Oh mon Dieu, pardon, vous êtes les parents de Barry, c'est ça? Je voudrais vous photographier devant la porche. La porche, regarde la porche, papa. La porche là? Allez, viens là, Mise, on va faire une photo. Allez, viens. Moi? Oui. Oh, papa, tu sais quoi? Et quoi? La télécommande marche. Ouais. Oui. Un, deux et trois. Ah. Allô? Oui, maman? C'est maman. Oui, 6 heures. D'accord. Merci, Barry. Oui, alors 6 heures sur la grande plage. Parfait. Au revoir. Claude? Oui, Trésor? Je voudrais un peu de glace. Tout de suite? Oui. J'arrive. Chérie! Oui? J'ai laissé mes sandales dans notre chambre. Bon, attends, je vais te les chercher. Merci. Like where my mind is at. They're talking about love. I guess it could be something.